Bonjour, je m'appelle Enora Drouet, je suis étudiante à l'école de marine marchande d'Anvers. En ce moment, je suis en train de créer un projet de flottille pour la formation pratique des élèves de la marine marchande. L'idée, c'est de pouvoir approfondir les acquis théoriques que nous offre l'école, pouvoir les mettre en pratique, pouvoir donner le temps d'apprendre, de pouvoir se former aux techniques traditionnelles, c'est-à-dire la carte papier, le sextant, les baromètres, tout ça. Pouvoir continuer à appréhender la marine marchande aujourd'hui, c'est bien de savoir d'où est-ce qu'on vient. Donc c'est un peu mon leitmotiv à moi, c'est d'essayer de reconnecter avec une tradition maritime, pouvoir en parler, pouvoir l'exprimer, pouvoir la faire vivre à d'autres. Et à un moment donné, pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir la base, ça c'est clair. Et revenir aux sources, c'est pouvoir justement savoir d'où on vient pour aller au-delà. Pour que la nouvelle génération d'officiers sache qu'est-ce que c'est un bateau, d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont les différentes évolutions en termes de marine marchande tout au long du XXe siècle et puis pour être demain des officiers du XXIe siècle. Donc on est parti sur l'idée d'un projet en 3 semaines, en septembre 2018. L'idée c'est de partir d'Anvers, d'aller en Écosse, puis en Norvège et revenir à Anvers. Donc c'est d'essayer de faire une espèce de triangle, pas des Bermudes mais de la mer du Nord. Et donc du coup c'est de créer une flottille à travers ça. Pour l'instant, on est sur 6 navires qui restent dans une taille entre 15 et 25 mètres. Ce qui est important pour nous, c'est l'idée d'avoir des petits équipages. On ne veut pas plus de 8 élèves par bateau. L'idée, c'est que chacun puisse assurer ses quarts, pouvoir avoir la responsabilité du bateau, pouvoir justement gérer tout ce qui est navigation, la carte, le positionnement, pouvoir donner des ordres, pouvoir justement assumer des responsabilités. Sentir tous marins, c'est une chance, mais ensemble, on est plus fort. Ensemble, si on se connaît, si on apprend à travailler ensemble, à vivre ensemble, on est puissant, on est fort, on est compétent.